Ça va comme ça? Ça, c'est bon. Merci. T'es né où et quand? Je suis née à Paris le 27 mai 99. C'est quoi le premier mot que t'as prononcé? Je crois que c'était cheveux ou un truc comme ça, ou beurre. C'est quoi tes origines? Je suis française de chez française, du côté de ma mère, et du côté de mon père, entière amérindienne. T'avais une passion quand t'étais petite? Quand j'étais enfant, j'adorais me déguiser en princesse et faire beaucoup de dessins aussi. Ils écoutaient quoi, tes parents? Beaucoup de Diana Ross et Marvin Gaye. C'est quoi le premier film qui t'a marqué? Le film qui m'a le plus marqué quand j'étais petite, que j'ai regardé en boucle, c'était Le Magicien d'Oz. T'avais des posters dans ta chambre? Oui, j'avais des posters dans ma chambre, mais c'est secret. T'as fait quoi pour tes 18 ans? Ouais, j'ai fait une grosse taf. C'est quoi ton premier film? C'est Tusk de Kevin Smith, dans lequel j'ai genre deux scènes, mais c'est mon premier film. T'étais stressée? J'étais pas stressée parce que je pensais pas que ça allait être mon premier film. Je pensais pas que c'était mes premiers pas dans le métier que j'allais avoir. Je pensais juste que je faisais un truc drôle avec ma copine. C'est le père de ma meilleure amie d'enfance. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné en tant qu'actrice? N'essaye pas d'être plus intelligente que ton personnage. Tu penses quoi d'Instagram? Ouais, c'est drôle quand ils pensent comme vraiment des vraies personnes, genre une foule de têtes qui te suivent. C'est génial, enfin, j'apprécie leur soutien. Ouais. Je suis très privée aussi, donc je poste pas tout le temps et je poste pas tout n'importe quoi. Je suis assez privée sur Instagram, mais ouais, forcément, quand tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont te voir, tu appréhendes un peu, quoi. Je pense que c'est important de rester pas trop connecté à tout ça, parce que faut aussi se rappeler que c'est une application. C'est qui l'actrice ultime pour toi? Romy Schneider. Bah, je trouve qu'elle a quelque chose qui s'explique pas. Elle a une force, une lumière incroyable. Comment on fait pour durer au cinéma? Je pense que c'est important de se faire rare et de faire que des projets qui t'importent vraiment. Tu nous résumes ton personnage dans L'Homme fidèle? Eve, c'est une jeune fille qui a passé toute son enfance à fantasmer sur l'idée de devenir une femme et qui, pendant ce film, va découvrir sa féminité d'une manière volontaire. Ça va ressembler à quoi 2019? Ça va ressembler à quoi? Ben là, je m'apprête à sortir un autre film en janvier, Les Fauves. Et après, je m'apprête à tourner aussi quelque chose d'un peu intensif en mars aux États-Unis. Donc j'ai hâte pour ça, mais je ne veux pas encore dire ce que c'est. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, le début de mon 2019, ça sera ça.